Donc voilà, ça c'est l'engin emblématique des bords de Loire. Donc en Touraine, on appelle ça le foudré. Le foudré, c'est très simple, ça se présente comme une nasse. Vous avez donc une entrée, vous voyez, ce grand arceau là, où les poissons rentrent dedans. Après, le poisson, il chemine, il rentre à travers des entonnoirs, jusque dans l'arrière de l'engin de pêche, c'est-à-dire que le poisson se trouve dans une cage. Il était fait tout en chanvre et ils allaient chercher dans les bois. Voilà, cette liane que l'on appelle du cougnou, vous voyez, pour faire les enlarmes, pour faire le cercle, et pour rabouter le cercle, ils raboutaient avec du sureau qui est creux.